Mais frérot, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie, les gars, aujourd'hui. Les gars, je suis un petit peu dégoûté parce que de base, je voulais vous faire la vidéo sur le nouveau, enfin du moins le dernier mode de jeu, le Village Leader World Championship. Nouveau mode de jeu qui, bon, voilà, ça fait plaisir, c'est de la nouveauté. Mais en termes de gameplay, c'est ce qu'on connaît déjà, c'est le SAM. Bien que je préfère ça au SAM, parce que le SAM, c'est du bet farm. Là, ça se fait à peu près en une fois, à peu près. Du moins, le but est de faire le meilleur score possible. Le problème, c'est que par contre, ce mode de jeu, ben, je viens de capter qu'il y avait un truc de ranking, en fait, pour se qualifier. Mais ça ne durait que quoi? Une semaine? Même pas, hein, même pas, c'était même pas une semaine. C'était extrêmement court, je crois que ça a duré 5 jours, même pas. Ce qui fait que j'ai raté l'occasion de tourner la vidéo dessus, ça c'est problématique. Et maintenant en fait, ben, je ne peux plus changer de niveau en fait, je suis bloqué. Ah, peut-être pas. Parce que tu vois, juste avant là, juste à l'heure, j'ai fait justement ce niveau là. Maintenant j'ai débloqué celui-là. Donc peut-être que petit à petit je peux remonter. Et peut-être bien les gars, finalement, que je ferai une vidéo dessus. Bref, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus. Sinon, pour ceux potentiellement qui galèrent, je vous donne rapidement des petits conseils, les choses que je voulais faire en vidéo. C'est surtout les gars, pensez à mettre des tools qui augmentent le power rouge et jaune, et donc mettre des add effects. Voilà, comme on voit ici, malheureusement j'ai pas eu beaucoup de chance et tout quand je les ai fait. Ça serait bien d'avoir du minimum du 9%. En tout cas les gars, c'est pas le thème de cette vidéo là. Vous me dites en commentaire, vous me bombardez les pouces bleus si vous êtes chaud que je fasse une vidéo dessus. Parce que là, aujourd'hui les gars, c'est de l'invocation. De l'invocation chill, de l'invocation détente. Le stagiaire de Namco ne s'y attend pas. Vas-y, la petite tri quotidienne, on skip. Non, de la merde. Objectif aujourd'hui, choper un maximum de limit break. Donc on va invoquer, non, ici il n'y a plus rien. Les tickets 4 étoiles, qu'est-ce qu'on a déjà d'intéressant ici? Donc on a voilà les limit break. Celui-là m'intéresse beaucoup, ça va être très intéressant. Il y a des tas de choses ici à les récupérer. Aussi des 4 étoiles que je n'ai pas, quand, des requits que quand j'ai arrêté le jeu qui sont sortis entre temps. Le attaque mission ticket summon. Il y a aussi, ok, il y a à peu près pareil. Je crois qu'il y a exactement les mêmes choses. T'es, guette-moi ça gros, il y a même la limit break du Byron, ça c'est vraiment le genre de choses que je veux de fou. Ça, ça aiderait énormément. Ces portails-là sont vraiment devenus beaucoup plus intéressants qu'à l'époque, ça fait plaisir. Celui-là par contre, il pue autant. C'est grand mort, vraiment éclaté au sol. Celui-là, on va pas le faire, on va pas invoquer sur ça. Et ticket de la douche, j'avais déjà fait un petit peu en off, j'en avais fait pas mal. Bon, il est aussi beaucoup plus intéressant celui-là. Allez, on perd pas de temps les gars, c'est parti. On a quand même pas mal de petites multi à se faire. Le pouce bleu de l'amour les frères. Le pouce bleu de la luck. On termine cette vidéo avec au moins, allez, au moins deux, limit break qui m'intéressent. Pas des limit break par contre, donc je m'en bats les couilles. Ça va être compliqué quand même, si vous connaissez mon taux de drop du chétan. Ou alors en vrai, je vais pas faire mon difficile. Ah frère, on arrive à dropper deux fois la même 3 étoiles, sans déconner. La probabilité, gros, deux fois la même 3 étoiles. Et j'allais dire, sinon je fais pas trop mon difficile, des 4 étoiles que je n'ai pas, je prends avec plaisir. Genre celle-là, il me semble que je l'ai, mais elle est bas niveau, je l'avais droppée qu'une seule fois, il me semble. Je prends totalement, il me semble que ça fait partie de son meilleur kit. Donc ça fait plaisir. Voilà, là on commence bien, là j'aime bien, j'avais le doigt sur le bouton, je lâche. Oh non, pas lui frère, pas lui. Il me donne des flashbacks du Vietnam, gros. J'ai des souvenirs macabres qui me viennent à l'esprit, gros. Non, pas lui. Je crois qu'il avait maudit la première vidéo invocation de l'anniversaire. Les gars, vous en souvenez, les braves qui regardent bientôt. Me fout la haine, lui, gros. Il me fout la gerbe avec son gros orteil, là. L'orteil à Kim Glow. Sans déconner. Guy, on s'en fout, malheureusement, même si je l'adore. Mon personnage préféré de l'univers, mais... Oh non, non, pas ça, gros. On commence, on a une 5 étoiles, ça fait plaisir, le taux de drop est de mon côté. Le stagiaire fait une sieste, gros, c'est l'heure de la sieste, là. Il a mangé Buffalo Grill, il a le ventre plein, gros, il fait la sieste. Mais si on drop Indra, non, ça va pas. Alors, arc-en-ciel direct, là j'aime, là j'aime. C'est le jour de chance ou quoi aujourd'hui, les gars, incroyable. Allez, cette fois, s'il te plaît, ne me douille pas. Un bon truc. On va aller voir ça tout de suite, les gars. Si je les limite break max ou pas, j'ai un gros, gros doute. Je sais plus du tout, mais je crois que oui, c'est bon, les gars. Je crois que c'est très, très bien. Ça fait plaisir. On va quand même vérifier. J'ai un gros doute. Mais pour l'instant, les gars, le taux de drop, incroyable. Incroyable. C'est pas la même dernière vidéo d'invocation que j'avais fait avec les tickets. Où je sais plus combien on en avait bombardé. On en avait envoyé vraiment pas mal. Je m'étais fait chier dessus par le jeu. Non, Hinata, on s'en bat les couilles. Bien que, regarde, la longueur de l'effet. Il y a tous les effets, vraiment, c'est terrible. Et celui-là, c'est un nouveau pas. Ah, il est pas si mal, il est pas si mal. Non, c'est pas un nouveau, mais genre, il est pas mal, il est pas mal. On va aller voir rapidement Kawaki.
Kawaki, j'ai un gros doute. Oh putain, me dis pas que c'est... Oh, ça m'a l'air d'être parfait. Mais oui, gros, c'est impeccable. Mais attends, on va tout de suite même la limite break. Je crois qu'on peut tout de suite le faire. Je n'ai jamais eu de doublon dessus, je crois bien, en fait. Limite breakable, magnifique, gros. Je n'avais jamais eu de doublon dessus, en fait. Et en plus, du coup, le ninjutsu cooldown time va passer de 10 secondes à 7 secondes. Excellent, mais très très bonne nouvelle. Là, ça va. Là, je suis content. Il n'y a même pas besoin d'invoquer le piano de la luck, tout va bien. Le taux de drop est bon. Ça me fait plaisir, ça me régale. Ça, c'est les pouces bleus de l'amour, les frères. Incroyable, gros. Deux multi, deux 5 étoiles. Je suis pas habitué à ça, mon gars. Je suis clairement pas habitué. La flûte de la luck n'est pas à mes côtés, les gars. Vraiment, elle nous a trahis. Je l'ai banni, les gars. C'est clairement une envoyée de Namco. Je l'ai banni. C'est même pas sûr que je la prenne avec moi quand j'irai dans mon appart. Dites-moi en commentaire, les frères. Je vais peut-être faire un sondage, même carrément, parce que là, on est sur quelque chose d'important. Est-ce que je prends la flûte de la luck pour partir dans mon appart? Vous savez, là, début janvier, je vais avoir un appart. Les gars, incroyable! Mais incroyable! Mais 3 invocations, 3 5 étoiles aujourd'hui! Je ne l'avais pas! Mais magnifique! Incroyable! Mais qui peut arrêter que Zoras unique? Le jour de chance, mon gars, le jour de drop! Ça fait combien de temps, mon gars, que j'ai pas autant droppé? Incroyable! Je ne l'ai pas, celle-là! Je ne l'ai pas! Ça m'a l'air d'être pour le Madara Edo Tensei. Je prends totalement! On va voir ça, ça doit être une bonne dinguerie, je pense! Mon gars! Incroyable! Je crois que c'est ça, un 3 multi, 3 5 étoiles pour l'instant. Oh, ça fait combien de temps que j'ai pas eu un taux de drop pareil? Oui, on est sur une bonne carte. Est-ce qu'on a, je sais pas, une invincibilité pour tout le monde? Peut-être, j'en doute. Il a l'invincibilité pour lui. J'ai pas l'impression que c'est pour tout le monde. Non, non, non. Mais carré, impeccable. On continue. On continue, on enchaîne. On surfe sur la luck. C'est le bon moment. Pour de bon, le stagiaire, les gars, il a mangé Buffalo Grill. Ce sera peut-être le titre de la vidéo. Le stagiaire fait la sieste après Buffalo Grill. Incroyable. Est-ce qu'on peut enchaîner l'exploit? Allez, il y a moyen, il n'y avait pas d'animation sur l'autre. Oh là, ça c'est mauvais signe. Sakura Awalp qui débarque, les frères. Très mauvais présage. L'un des lieutenants de Namco. Manquerait plus que le Sushikage, je crois qu'il n'est pas sur le portail. Ou Takata, ce clochard, évidemment, on l'avait oublié. Et Kimimaro aussi, il manquerait plus que lui. Et ça serait terrible. Ouh là, on est sur de la full 3 étoiles. Ouh là là. Ouh là là. Le stagiaire s'est réveillé, ça y est. Non, 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 non. On était bien, c'est quoi ça? Bon, sinon, avant qu'on arrive à dropper la 5 étoiles limite break, je disais, peut-être je ferai un sondage carrément pour vous demander si j'embarque la flûte de la luck dans mon appart là que je vais avoir. Ce n'est pas sûr, les gars, je trouve qu'elle a été maudite par Namco depuis quelques temps, on ne drop plus avec. Contrairement au tout début. Au début, on dropait à chaque fois, incroyable. Mais incroyable le taux de drop aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donne-moi celle de Byron et vraiment là, c'est masterclass. Ok, oui, mais je prends Madara classique cette fois-ci. Qui reste un très bon personnage. Malheureusement, je crois que je n'ai pas son meilleur set, mais je prends totalement la limite break. Mais le taux de drop aujourd'hui est excellent. Le taux de drop est exceptionnel, je suis choqué. Je suis outré, mon gars. Incroyable. Rien qu'en deux multi, on a droppé plus de 5 étoiles dans la dernière vidéo invocation des tickets. C'est incroyable. C'est aberrant. On a droppé une nouveauté de Kushina aussi. Je prends. Dès que c'est une nouveauté, de toute façon, ça me fait plaisir. Kushina, elle a compris où est la place de la femme. Donc franchement, c'est validé. Ça, c'est un bon personnage féminin. On continue, les gars. Ça, c'est les tickets PVP en plus. Hein, les tickets qu'on gagne par rapport à notre classement PVP. Chose que maintenant, d'ailleurs, je farme très très peu le PVP. Il faut que j'essaye de me donner, de remonter le truc. Mais gros, une fois que je suis lancé, tu sais, je fais mes 5 shurikens. Et après, il faut que j'attende un demi-siècle que tout se régène. Après, j'oublie, quoi, tu vois, de les faire. Incroyable. Non, sans doute là quand même. Je pense que ça va être une 4 étoiles. Ça serait incroyable, une 5 étoiles. Mais incroyable. Mais cette vidéo, les gars, c'est incroyable. Kushina encore. On l'a flatté. On a dit, elle a compris où est la place de la femme et elle revient. Elle veut faire la popote, la cuisine. Oui, incroyable. On n'arrête pas de dropper, mec. C'est une dinguerie. Oh, ça fait combien de siècles? J'ai pas autant droppé, mon gars. C'est incroyable. 4 étoiles, incroyable celle-là aussi, mais ça je prends avec plaisir. Ah non, non les gars, le colonel de Namco est là, cette carte en plus, cette carte qui me fout la gerbe. Je peux plus me le voir lui, vraiment c'est mon pire cauchemar de NXB. Là c'est terminé les gars, on peut plus drop. Je crois que c'est finito.
On tente, attention. Pour un corrompre le sort, la bouteille, mon gars. La bouteille d'alcool. Rivière du Mat, elle s'appelle. Générique de Mario. Pour envoûter le stagiaire, le rendormir. Il est ivre. Mais je trouve déjà que notre taux de drop est absolument incroyable, les gars. La vidéo est bien, la vidéo est rentable. On va éviter de trop surfer sur la luck. Ça va nous retomber dessus. Sinon, là, regarde, là, je la sens pas. Je la sens pas, cette multi. Oui, Kushina, incroyable. Kushina qui nous régale dans cette vidéo. 3 étoiles, Inata Walp, on l'avait pas eu. Tous les marabouts pratiquement de Namco sont sortis. Il manque que Kimimaro. Il va tomber ce schlag, je le sens. Oh là 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 là, celle-là c'est pas terrible. Hein. Ça c'est pas terrible, mon gars. On renvoie, on renvoie. On retente la chance. Mais les gars, je crois qu'on va pas trop forcer le destin. Franchement, pour l'instant, ça s'est super bien passé. Ça c'est un peu comme au casino, tu sais. Tu drops, voilà, tu te fais un petit pactole, tu te casses avant de te faire douiller. Là c'est pareil, les gars. On a bien chaté. Je crois qu'on va s'arrêter sur ça. Allez, c'est possiblement la dernière, sauf si je drop. Si je drop, on en renvoie encore une. Allez, 3 étoiles Orochimaru, on s'en fout. Kawaki, non, elle est nulle, celle-là. Et puis, il y a déjà level max. 4 étoiles encore. Je crois que je l'ai mise level max, ça y est. Aïe, 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 non, on touche la fin. On touche la fin, mais franchement, les gars. En plus, on a encore une nouveauté. Bon, ça, je t'avoue que je m'en fous un petit peu, par contre, de celle-là. Franchement, les gars, ça fait combien de siècles que j'ai pas fait une vidéo invocation ticket summon de attaque mission là du PVP avec autant de drops. Le nombre de 5 étoiles, on va aller vite faire voir ça là. J'en ai droppé un paquet, c'est aberrant. On va mettre par obtain order. J'ai même pas fait les tickets 4 étoiles les gars, on se les garde pour une autre vidéo clairement hein, parce que là déjà c'est une vidéo quand même relativement longue et on a tellement droppé. On va s'arrêter sur ça, on a eu une Kushina, on a eu un Madara. Donc on a 2 5 étoiles déjà, 3 5 étoiles avec encore un Madara, mais le Edo Tensei cette fois. Je ne l'avais pas en plus celle-là, donc vraiment ça fait plaisir. La quatrième, attends j'en ai un petit peu plus que 4 quand même, là on a Indra, c'est la première que j'ai eue. On avait mal commencé avec Indra, attends Indra, Madara, l'autre Madara ici, on en a eu que 4, pas un petit peu plus, je pensais un genre 5 peut-être. Bon on a dû en avoir 4, ce qui quand même est, mec c'est énorme pour moi, c'est énorme les gars. La dernière vidéo invocation ticket, j'en ai invoqué. Oh, ben non, regarde. Ah non, celle-là, c'est une que j'ai droppée ailleurs. Je l'ai droppée ailleurs, celle-là. Ok, 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 ok. La dernière invocation ticket que j'ai fait, j'avais fait un petit peu plus de 100 tickets. Je crois qu'on en avait eu aucune des 5 étoiles. Aucune, frère. Rien. Welou. Donc, les frères, écoutez, j'espère que cette petite vidéo détente, cette petite vidéo chill vous aura plu. Que la luck soit de vos côtés. On donne la luck à tous ceux qui mettent le pouce bleu de l'amour. Les gars, ça a droppé aujourd'hui. Ça fait grave plaisir. Et sur ce, les frères, ben, kiffez bien la vie. Portez-vous bien, et je sais pas trop qu'est-ce qui va sortir prochainement, mais n'oubliez pas, pour ceux qui jouent principalement à OPBR, samedi, le gros live, donation de compte. Allez, ciao, ciao!